Madame Chambou, séduit par cette leçon, je me suis dit que je devais viser gros aussi pour ma vie. Voilà la villa dans laquelle je me suis retrouvée. Et toi, tu es dans quel département? Mais du Mercure Rouge. Du Mercure Rouge? Mais bien sûr. Regarde. Ça, c'est le Mercure Rouge? Mais effectivement. Si je comprends bien, c'est que c'est toi qui ne veux pas de lui. Effectivement. Il fallait qu'on aille faire les tests sérologiques et d'autres examens de sang avant toute chose. Là, tu n'as pas tort. Le sida existe. Je ne suis pas malade. Si l'Ebola devait me tuer, je serais mort depuis longtemps. Mon Dieu, protège mon âme jusqu'à demain matin. Que mon grand frère ne m'attire pas l'esprit des morts. Est-ce que ton frère manipulait réellement les cadavres d'Ebola? Il l'a affirmé lui-même, moyennant 10 dollars les cadavres. Ça fait plus de 10 semaines que tu l'as placé en quarantaine. Mais il n'a manifesté aucun signe. Kapidi, toi tu restes en dehors de tout ça. Quel signe d'Ebola toi tu connais? Le plus connu est la fièvre hémorragique. Mais c'est pas tout. Une fièvre au-delà des valeurs normaux de toutes les infections. Kapidi. Tu peux t'imaginer, le corps chauffe au-delà de 45 degrés Celsius. Et cette chaleur explose les vaisseaux et directement le sang entre en ébullition. C'est l'hémorragie dans tous les sens. Oh, la fièvre expulse tout le sang dehors de l'organisme. Pourquoi? Kapiti, bien que nous sommes tous ressortissants des différents villages, mais ça, c'est trop villageois cette question. Tu veux que je te dise quoi, maman? Tu veux que je me mette à la place du virus Ebola pour commencer à t'expliquer? Voilà moi à qui Ebola a déjà expliqué comment il chauffe les sang au-delà de 45 degrés Celsius et comment il les évacue en dehors des corps des victimes. C'est ce que tu veux que je te dise? Ok, ok. Mais mon problème est que ton cousin n'a manifesté aucun signe de cette maladie. Et on les sort de sa quarantaine, tu veux dire? Effectivement. Jusqu'à quand restera-t-il coincé dans ces couloirs? De moins d'un mètre. Kabedi va lui demander de quitter là-bas et Assim. Peut-être que lui a des anticorps anti-Ebola. Est-ce que toi tu peux t'imaginer quelqu'un sans gants, ni masque, ni aucun moyen de protection, s'est livré à manipuler les corps des victimes d'Ebola? Vivre plus de 5 semaines sans manifestation de la maladie? Je ne pense pas qu'il en ait. Ok, va prendre ses bagages. Mais quand il va déclencher la fièvre et la diarrhée hémorragique, c'est des toilettes au cimetière. Merci d'avoir parlé. Oui, tiens-toi là. Boyo, mais toi, pendant tout ce temps-là, tu ne manifestes aucun signe de cette maladie, pourquoi? C'est simple. C'est que je n'ai pas contracté cette maladie, ou soit le virus m'est dévié. Cousin, je te forme que j'ai été en contact direct avec les victimes d'Ebola. J'ai manipulé et lavé leur corps, tout en sachant que si le virus devait exterminer tout le monde, je meurs aussi. Mais Dieu a prouvé le contraire. Mais voilà vivant. Dis-moi, toi le témoin oculaire qui a vu les victimes d'Ebola mourir, comment s'est passé le scénario? Arrête grand frère, c'est une fièvre pas comme les autres, qui augmente et dépasse même les limites de toutes les autres fièvres. Et quand la victime commence à saigner, le sang coule de partout. C'est comme si ça sortait du robinet. Arrête. La première phase de ta quarantaine est terminée. Tout de suite là, nous entamons la deuxième phase, dite d'observation. Tu vas entrer dans la maison, dans la chambre que madame va te préparer et tu ne touches à rien.
même pas à la télécommande. Merci grand frère, j'ai failli craquer des fois suite à la pluie d'hier. Oui, dégage. Ok, merci. Aïcha, on monte. Il fait l'installation électrique là-dessus. Ah bon? Il est électricien? Effectivement. Entre alors, ma chérie. Mamboadi, ça va? Ça va très bien, chérie. Bonjour, mademoiselle. Non, merci, c'est gentil. Gillette, tu as vu? C'est un grand chantier, hein? Venez, on va en parler, là. Aïcha, je te présente mon fiancé, Jari. Le fiancé dont je te parle. Enchanté, Aïcha. Ravi de faire ta connaissance. Tout de suite là, je t'ai tendu la main et tu as refusé ma salutation. Ok, je m'incline aux principes islamiques. Tu es musulmane ou tu as juste adopté les looks marocains? Je le suis de naissance, disons né des parents musulmans. Ah bon? Il y a un voisin d'en face qui est aussi de votre religion? Il s'appelle comment? C'est Chamboui Ekofo Ibrahim. Un grand bienfaiteur de ces quartiers. L'homme de Katukubianza. Un grand homme d'affaires. Alors, tu dis quoi? Je suis venue chercher l'argent du neige. Ma leçon est terminée. La délibération se fait demain. Il me faut quelque chose. L'argent des mèches, l'option à l'université. Juliette, tu ne peux pas te contenter de ta chevelure au besoin de mettre un foulard sur la tête comme ta sœur? Les foulards c'est bien, mais tu ne me donnes pas l'argent? Ouais, il te faut combien? 150 dollars. Bon, aujourd'hui je te donne 50. Demain, si on me paye ma deuxième facture, je t'ajoute ce qui reste, ok? Yeah. Ok, Aïcha, enchanté de faire ta connaissance. Vous m'avez trouvé en plein boulot. On en parlera la prochaine fois. Coco, coco, Mamoukabedi. Mamoukabedi, papa Chambouye là? Mamoukabedi. Mamoukabedi. Oui, ils sont tous sortis. Je suis resté seul. Mais c'est ce pro. Et toi, c'est qui? Moi, c'est Mboyo. Je suis cousin à Chambouye. Ah! Chambouye a des cousins. Il ne m'a jamais parlé de toi, monsieur. Quoi? Tu es membre de notre famille? Pour qu'il te parle des affaires familiales? Ok, je m'excuse. Ça fait combien de temps que tu es là? Je suis là depuis 3 semaines. En provenance de? De notre village natal. Ah, de l'Équateur? La province de l'Équateur, c'est vague. Nous sommes de Ikela. Oh! Ikela? Ça sonne mal à tes oreilles? J'ai pas dit ça, sauf que... Quoi? Les rumeurs d'Ebola? On peut dire ça. Ok, je m'en vais. Katoto, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu crois? Si tu ne fais pas ma proposition, je vais partir. Eh ben vas-y, va-t'en!
Et en plus, tu as dit kilo, toi. Tu crois que moi, je vais trembler devant toi? Écoute, je te donne l'argent de transport. Allez, prends ton sac, allez, rentre vite en garçon, mon. Je ne le ferai jamais, moi. C'est ça que tu me demandes, là. Je dis, prends ton sac et va-t'en. Je m'adresse à qui? Allez, prends ce sac ici, va-t'en. Voilà. J'ai dit, hein, prends ton sac. Oui, va. Prends ton sac. Laisse-moi. Allez, vas-y, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi, mais qu'est-ce qu'il y a? Chaoufa, allez, va-t'en. Arrête, Kato. Mais va-t'en, non? Kato, tout ça pour l'examen de sang que je t'ai demandé de faire. Bon, Joker, tu continues à m'énerver. Je compte de 1 jusqu'à 10. Si tu ne sors pas d'ici, tu vas rentrer au village avec un bras cassé. Et pour ton information, même si tu allais réveiller tes ancêtres, je ne le ferai pas, moi. Allez, sors. Tu n'entends pas? Hein? Katoto, un peu de retenue, voyons. Hein? Madame, c'est quoi le problème? Papa Chambou, le même que je vous avais raconté autrefois. Ah bon? Donc c'est tout le monde qui est au courant de ça. Mais Katoto, avec un morceau de brique, tu veux casser la nuque de ta femme? Qu'est-ce qui te prend? Jette un peu ces briques-là. Jette ça. C'est pas responsable, ça? Hein? Madame, rentre d'abord là avec ton sac. Petit, viens un peu là. Viens ici. Madame, laisse-nous un peu 5 minutes là, on va causer. Viens un peu là. Petit, au juste, c'est quoi le problème? Chamou, arrêtez de tourner autour du pot. Vous êtes censé tout connaître. Parce que une minute passée, elle venait de le dire à ma présence que vous a mis au parfum de tout. Et en quoi tu trouves mal sa proposition? Papa Chambou, écoutez-moi bien. Il y a certaines choses et certaines habitudes occidentales auxquelles il ne faut jamais s'accrocher. Katoto, entre nous, faire les tests sérologiques ainsi que l'examen de compatibilité sanguine avant le mariage, ça devient une habitude occidentale. C'est universel. Et c'est une recommandation de l'OMS qui s'avère normale. Comment ça normal? Voisin, regardez-moi bien. Est-ce que moi je peux être séropositif? Hein? Regardez! Voyez! Est-ce que je peux être anémique, moi? Hein? Katoto, et pourtant je te prenais pour un intellectuel. Or, tu as encore un cordon ombilical lié jusque dans ton village. Hein, mon ami, là tu me prends maintenant pour mécher le microscope. En me posant la question, celle de savoir, monsieur le microscope, est-ce que je peux avoir le sida? Est-ce que je peux être anémique? Katoto, le monde évolue. La technologie évolue. Il faut évoluer aussi avec elle. Hein? C'est absurde tout ça. Et elle ne va pas non plus m'imposer ces absurdités. Entre nous, Chamboui. Dites-moi un peu. Ton père et ta mère, avant de se marier, est-ce qu'ils avaient fait ces examens-là? Hein? Et d'ailleurs, depuis l'époque coloniale, et même après la colonisation, la médecine n'existait pas? Est-ce que les gens ne mouraient pas? Hein? Tu n'importe quoi? Ton père non plus ne l'avait pas fait d'avec ta mère. Tu sais, Katoto, les objectifs suivis par l'OMS dans cette quête, c'est de réduire sensiblement les taux des risques et des dégâts qu'engendrent ces fléaux. Et tu t'imagines, toi, aujourd'hui, avoir dans ta maison un enfant anémique? Ou toi-même être séropositif. Ça va perturber tout votre budget et toucher mon budget de la famille. Ne jamais être un risque d'accident pour l'un ou pour l'autre. Ça devient une priorité pour l'Organisation Mondiale de la Santé. Le problème que te pose cette dame-là est bien fondé. Toi, tu t'imagines aujourd'hui, Katoto, là, à l'hôpital général, hein, à l'étape des diarrhées. Tu fais la diarrhée là et qui viendra te rendre visite là-bas? Oui. Qui viendra te rendre visite là et qui va défiler à tout moment avec les pots de tes matières fécales à tout moment aux toilettes?
tu deviendras une charge pour la famille. Tu vois? La démarche entreprise par ton épouse n'est pas mauvaise. Hein, mon cher ami, même si on est villageois. Mais c'est trop villageois, ces raisonnements que tu as. Écoutez, Chambouy, je suis sûr et certain que le sida existe. Mais chez les autres, oui. Mais moi, en tout cas, c'est un problème de foi. Je suis sûr et certain que j'en ai pas. Parce que je me contrôle. Et je me connais très bien. Katoto, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je n'en disconviens pas. Je ne refuse pas que tu ne sois pas malade. Alors, allez-y les confirmer à l'hôpital. Papa Chambouy, en tout cas, avec tout le respect que je vous dois, je n'accorde pas assez de crédit de confiance aux hôpitaux d'ici. Et en plus, je ne suis pas convaincu de le faire. Excusez-moi, mais... Non. Tu as peur ou bien c'est un interdit de votre constitution locale et coutumière? Et c'est interdit dans quel article? Loin de là, papa. Et pour votre information, la loi coutumière n'a jamais prévu cela. Mais tu ne peux pas casser ton mariage juste pour des examens sérologiques et l'examen de compatibilité sanguine. Casser tout un mariage et chasser la dame pour qu'elle rentre au village aujourd'hui. Satisfaction d'une saine curiosité oblige, mon ami. Accepte la proposition de ton épouse. C'est simple. C'est simple, accepte la proposition de ton épouse. Va demain faire cet examen. Bon, ok. Chambouy, j'ai été garanti que demain j'irai faire cet examen. Mais écoutez un peu. C'est un problème de confiance ici. Et si on trouvait que c'est elle qui est séropositive, vous me conseillerez quoi? Mais c'est ça, c'est un problème de confiance, mais la confiance n'exclut pas ces contrôles-là de cet examen. Et si on trouvait par exemple, comme tu le dis là, que non, c'est elle qui est séropositive, alors on vous dira quoi faire là-bas. Là, je n'écouterai plus personne. Si on dit seulement qu'elle est séropositive, je reviendrai vite chez moi, prendre son sac, je la rejoins au parking. Vite au village. Et si on trouvait que c'est toi qui es séropositif? Eh ben, je m'en fous. Quoi? Ah! Tu sais, mon amour envers toi a commencé le jour où tu as commencé à contrôler ton accoutrement. Tu vois, avec cet accoutrement, tu vois que nous, le respect se généralise dans tous les quartiers. Même dans la rue. Même au marché, on sent vraiment que nous, on a affaire à une femme engagée et responsable. Même tous ces voyous-là, tous ces badauds-là qui se rient dans la rue, ils vont te laisser. La place où nous voilà, c'était une femme mariée. Et quand on voit le corps à poil et à nu, on peut venir te toucher, même te toucher à l'épaule. Mais quoi, tu n'es pas de bonne humeur? Ou bien c'est cet accoutrement que j'apprécie qui te fait mal? Oui, je ne suis pas de bonne humeur. Et pourquoi tu m'obliges de rester dans cette tenue? Aujourd'hui, je ne peux pas porter mes pantalons, mes mini-jupes. Pourquoi ça chambouille? Tu trouves ça normal? Kabedi, le port du voile en islam est une prescription divine, donc une obligation pour les femmes musulmanes. Le voile est la tenue de la femme, comme en ont les médecins, les policiers, les pilotes, les mécaniciens, et que sais-je encore. Et parmi d'innombrables mérites du port de cette voile, il permet facilement de distinguer une catégorie des femmes qui sont soumises à Dieu, disons des musulmanes et des mécréantes, c'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas à Allah ou bien à notre Dieu. C'est pourquoi on dit que la femme vertueuse est pieuse et puis dit que qui porte les hijabs
comparativement à celle qui s'adonne à l'exhibition. Le diable, c'est quoi? C'est la voile islamique. Kabedi, regarde ta voisine. Celle qui vient du village. Elle n'est pas musulmane. Tu vois comment est-ce qu'elle est? Elle est voilée. Alors, préféreras-tu obéir à ton Seigneur qui t'a créé dans la plus belle forme qui soit? Qui entretient ta vie? Et qui te fera mourir et te mettra au tombeau toute seule? Et te jugera selon tes actions, les bonnes conduisant vers le paradis. Et les mauvaises que tu feras dans cette vie t'attireront vers l'enfer. Kabedi, ou bien préféreras-tu obéir à Satan et à la société en bafouant les ordres de ton Seigneur et les enseignements de la religion ?